YouTube! Ouais, wesh l'Empire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un moment, j'avais envie de faire des vidéos, les gars. Là, je suis opérationnelle. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on va créer une paire de sneakers pour des youtubeurs. Et bien évidemment, aujourd'hui, j'ai décidé de créer une paire de sneakers pour InoxTag. C'est parti! Faudrait que j'arrête un petit peu d'être gênante, ouais. N'hésitez pas à lâcher votre like et à vous abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir ce qui se passe en ce moment. Et du coup, on est parti pour créer la petite paire de sneakers pour InoxTag. Et on verra un petit peu après qu'est-ce qu'on va faire. C'est parti. Bon, les gars, là, on se retrouve sur Nike Bayou. Alors, si vous connaissez, c'est pas, c'est le site de Nike qui te permet de créer ta propre paire de sneakers. Et en plus de ça, tu peux la recevoir chez toi. En vrai, aujourd'hui, on va pas commander de paire de sneakers, mais peut-être qu'un jour, on va en commander, qui sait. Quand on aura l'étal, on le fera. Ouais. Voilà. Bon, du coup, les gars, là, on est sur Nike Bayou. Voilà le site de Nike. Alors, pour une sneakers, pour InoxTag, déjà, InoxTag, on sait très bien les couleurs qu'il a. C'est un peu le violet, vous voyez, le gris, les couleurs un peu sombres. Mais moi, je me suis dit, comme il va traverser l'Everest, enfin, du moins, il l'a fait ou il l'a pas fait, ça, on le sait pas trop. En tout cas, comme il y a un petit rapport avec l'Everest, je sais pas quelle paire de sneakers choisir. Voilà. I don't know. Sometimes I can speak English a little bit. Bon, du coup, les gars, je pense qu'on va quand même prendre une Air Max 90 pour InoxTag. Je sais pas pourquoi j'ai choisi cette forme de sneakers là, voilà, ne me posez pas trop de questions parce que même moi je ne sais pas. Du coup, let's go personnaliser la paire de sneakers, let's go. Alors, si ça prend 10 ans pour charger, il serait temps de changer de PC. Bon bah du coup on va attendre hein, puisque ça prend 10 000 ans. D'ailleurs, le temps qu'on attend, je vous invite à vous abonner à mon TikTok et à mon Instagram. Ça fait plaisir et puis c'est tout quoi. Enfin, j'ai rien d'autre à dire de très intéressant quoi. Enfin. Bon, du coup, là, c'est enfin chargé. Alors, en paint call, donc on a plusieurs couleurs. On aura du gris. Alors, bon, si ça prend 10 000 ans pour charger, on sera toujours là d'ici demain. Donc, bon. Alors, moi, comme couleur, j'ai décidé de prendre des couleurs un peu bleues, un peu white, un peu Everest, tu vois. Donc, là, je pense que pour cette partie-là de la sneakers, on va prendre du beige parce que ça va bien aller avec, je pense. Donc on va prendre un beige voile, un petit beige voile, et ouais, je crois que ça va le faire. On a aussi le choix avec la matière, du mesh ou du cuir. Alors moi je pense que je vais prendre du mesh ou du mich, je sais pas. En tout cas, je pense que je vais prendre du tissu, ça m'a l'air d'être assez bien, et peut-être que après je changerai, je sais pas, mais le tissu ça me paraît plutôt pas mal. Bon, ensuite la pointe de renfort, je sais pas du tout ce que c'est, mais comme couleur on va, mais il y a pas beaucoup de couleurs disponibles. Ah oui, et c'est très moche. En tout cas, je pense que pour cette partie là de la sneaker, ce sera en cuir. Donc on va prendre un blanc. Regardez, il y a écrit cramoisi brillant. Bon, si c'est cramoisi brillant, bon, je sais pas du tout comment il faut le prendre. Déjà là, j'hésite entre du blanc et du bleu. Mais après, le bleu, il est un peu foncé, donc je sais pas si ça va faire le taf. This is the question. This is the question. I don't know if it's going to be okay. Oh, quoique, j'aime bien en vrai, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous le notez sur 10 en commentaire. En fait, je suis un petit peu indécise. Voilà, je sais pas ce que je veux dans la vie. Mis à part beaucoup d'argent, bon, moi, je sais pas trop. Non, en vrai, je pense que je vais peut-être garder le blanc. On va rester un petit peu sur le smooth de la montagne, les abysses de l'Everest. Voilà, 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 voilà. Bon, ok, donc là, on a d'autres couleurs. Donc là, on a la possibilité de mettre du blanc. Alors, je pense que je vais mettre du gris. N'a aucun rapport. Mais en vrai, les gars, je sais pas du tout quelle couleur je pourrais mettre parce que le truc, il bug. Et je vais pas vous mentir, ça commence... Ok, donc là, au niveau des lacets et de la languette, on a le choix entre plusieurs couleurs. Donc on aura aussi du blanc. Et là, je pense que peut-être on va faire un changement. On va venir mettre du bleu parce qu'il faut quand même du bleu. Genre la montagne, c'est un peu bleu, c'est un peu blanc. Bon, voilà. Et du coup, je me suis dit, je vais ajouter du bleu peut-être au lacet. Ça va bien rendre. Et voilà, c'est tout. Non, parce qu'en vrai, il faut ajouter un peu de couleur. Certes, il y a la neige, etc. Mais le concept, c'est pas de faire une paire full white. Sinon, c'est un petit peu... Bon, ça n'a pas d'intérêt. Voilà. Clairement, je vous le dis, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, le souche, on a la possibilité de le mettre en blanc. Alors moi, je vais pas mettre le souche en blanc. Je crois que je vais le laisser en beige comme ça, parce que ça rend plutôt bien. Donc, en vrai, le souche, j'ai envie de le laisser en beige. Je sais pas pourquoi, ça me donne envie de le laisser en beige. Par contre, les gars, le site, il bug. C'est infernal, vraiment. Ensuite, on a un mini souche. Du coup, on va le laisser comme ça. Mais les gars, regardez-moi à l'allure à laquelle ça va. Là, c'est vraiment moi qui commence à péter un câble. Bon, du coup, là, ce qu'on va faire, on va mettre la tannelette de renforcement qui sera, je ne sais pas où est-ce que se situe. Donc on va prendre du gris froid. Voilà, même Nike, ils sont au courant qu'on est en train de faire une sneakers. Du gris froid, ok, donc c'est au niveau de là que ça va changer la couleur. Donc en fait, moi je pense que je vais prendre du bleu. Mais le problème c'est qu'on n'a pas énormément de couleurs, donc c'est ça le problème. Du coup, en vrai, je pense que je vais laisser du bleu comme ça. Ça rajoute un petit peu de couleur, un petit peu
peu de... Cependant, je sais que j'ai envie de mettre cette fameuse œillet en blanc, puisque là, les couleurs qu'on va mettre vraiment sera du blanc, du bleu, voilà, des couleurs assez... Bon, non, c'est dégueulasse. Ah, quoique, il y a un délire, hein. En vrai, les gars, la paire de sneakers, il y a un délire, mais ça bug de fou et ça m'énerve premier degré. J'ai un petit peu la rage, un petit peu. Je vais peut-être rager, peut-être que... Oh, le clavier, il va peut-être... Oh, je sais pas. Je sais pas parler non plus français, non, non. Ça, j'arrive pas, non. Ok, au niveau de cette partie-là, je pense qu'on va mettre cette couleur. Le sésame, on va mettre la couleur sésame. Ah non, en fait, j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout. Elle a vraiment un délire, donc je pense que ça va bien rendre. Bon, du coup, la semelle intermédiaire compensée. Bon, alors, je sais pas du tout c'est de quoi qu'il parle. Ok, donc celle-là, en vrai de vrai, on va la laisser en couleur voile, en beige, parce que, en fait, j'ai envie de faire une paire de chaussures assez smooth, et je trouve que là, en beige, ça rend super bien. Bon, du coup, le coussin d'air. Ah, les gars, en blanc, là, comme ça, ça rend super bien. Après, j'hésite à mettre en sésame comme ça. Parce qu'en sésame, ça m'a l'air d'être bien. Et puis le sésame, ça va nous rappeler un petit peu la terre lorsque tu montres les... Waouh. J'ai jamais autant bégayé comme ça, c'est un truc de fou. Je voulais mettre en sésame parce que le sésame, ça fait penser un petit peu à la terre, tu vois, de l'Everest, monter les montagnes. Voilà, ouais. Bon, du coup, ouais, je pense qu'on va laisser en sésame, les gars. Je trouve que ça rend super bien. En sésame, ça rend très très bien. Donc en vrai, les gars, la paire de sneakers, elle a une dégaine de fou. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, mais moi je trouve qu'elle a une dégaine plutôt sexy. Voilà. Ensuite, la semelle. La semelle, les gars, j'ai envie de faire une petite dinguerie. Alors, waouh, ça c'est incroyable par contre. Alors, soit la semelle, on la met en couleur white, c'est-à-dire comme ça. Donc, vous voyez, en blanc. En vrai, la semelle, on va laisser ça en white et on verra après s'il y a des petits changements à faire. Mais là, en vrai, je pense que ça rend plutôt pas mal. En fait, non, je trouve que la paire, elle est dégueulasse. J'aime pas du tout. En tout cas, donc là, on va garder du bleu pour la languette. En vrai, la languette, les gars, on va garder du bleu, hein. Ça m'avait l'air plutôt intéressant. Donc, je pense qu'on va garder ce bleu. En fait, j'ai envie de faire un truc plutôt smooth, mais qui garde tout autant la couleur bleue. Voilà, j'ai envie de mettre la couleur bleue en évidence. Voilà, c'est un petit peu ma couleur préférée. Donc, si vous voulez m'offrir des vêtements ou quelque chose comme ça, un petit peu de bleu, quoi, ça fait pas de mal, moi je dis, voilà. Ok, sur la languette, on peut mettre un texte. Donc, le texte qu'on va mettre, ce sera Inox Tag. Donc, la première, on va écrire Inox. Et la deuxième languette, on va mettre Varel. Inox Tag X Varel. Alors, honnêtement, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je dirais très sincèrement et avec tout le respect que je me dois, c'est une moche. Voilà, clairement, c'est moche. Est-ce qu'on va continuer? Je pense pas. Pourquoi on va pas continuer? Tout simplement parce que je suis un petit peu énervée. Voilà. Pourquoi suis-je énervée? Parce que ça bug, tout simplement. Donc c'est impossible pour moi de créer la sneakers. Après, rien n'est impossible dans la vie, les gars. Vous savez, rien n'est impossible. Bon, du coup, les gars, après quelques minutes de dur labeur, après quelques minutes à avoir souffert avec cette connexion, je dirais un petit peu claquée au sol, là, on est parti pour vous présenter la paire de sneakers pour Inox Tag, le thème, l'Everest. Voilà, j'ai choisi des couleurs qui rappellent un petit peu la montagne, le froid. Voilà, donc on va voir ça tout de suite. C'est parti, les gars. Du coup, les gars, voilà le résultat final. En vrai, je trouve qu'elle est bien, elle est pas mal comme paire de sneakers. En vrai, de vrai, c'est une paire de sneakers qu'on pourrait porter comme ça, mais ça va être très compliqué, surtout avec la couleur bleue. Et voilà, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Mais voilà, comme vous le voyez, on a toute la paire de sneakers avec la semelle blanche. Voilà, j'ai voulu faire des petits détails de blanc qui représentent la neige et aussi un peu de beige pour représenter la saleté de la neige. Et ici, juste ici, il y a écrit Inox X VAR, donc Varel. Voilà, ça fait super bien. Et là, tu auras des petits coloris gris histoire de montrer un peu la roche de l'Everest et un petit peu de côté bleu pour montrer le ciel. Le bleu qui représente aussi la liberté, le ciel, le fait de voler, le fait d'aller très haut dans la vie, comme vous pouvez le voir juste ici avec cette magnifique lampe bleue. Ça n'a absolument aucun rapport. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, moi, je trouve que elle est plutôt pas mal. En vrai, c'est une paire de sneakers que tu pourrais porter dans la vie de tous les jours. Elle est assez compliquée à mettre, mais en soi, il y a un délire.